Donc là, je vais aller trouver une équipe, ce qui est le cas dans lequel vous êtes censé être si vous n'avez encore jamais rejoint d'équipe. Je vais taper francophone et je vais lancer ma recherche. Il va me sortir donc l'Alliance francophone. Je vais cliquer sur le lien, puis sur rejoindre cette équipe. Je suis maintenant membre de l'Alliance francophone et c'est là que le tag que j'ai mis devant mon pseudo a de son intérêt. Puisque dans les statistiques d'Igni Team, le fait d'être en AF de TF écrit exactement de cette manière-là permet de faire remonter les statistiques de calcul. Donc, bien sûr, dans l'Alliance francophone, puisque j'en fais partie, mais aussi dans la mini-team de TF. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'aide que vous allez nous apporter ensuite, nous, pour convaincre diverses entreprises ou institutions de nous aider en installant par exemple Boinc sur des parcs informatiques assez vastes pour pouvoir augmenter considérablement la puissance de calcul globale des différents projets. Donc voilà ce qu'il en est pour le paramétrage, on va dire, en ligne. Nous irons voir ensuite simplement tout à l'heure ce lien-là. Je vais laisser commencer à le charger. Et en attendant, je vais vous montrer donc comment reparamétrer Boinc de manière locale. C'est-à-dire que si vous souhaitez qu'un ordinateur en particulier ait une configuration de calcul qui soit différente de celle que vous avez inscrite sur Internet, il suffit pour ça en fait d'aller dans Avancées et dans Préférences. Là, en fait, vous allez pouvoir éditer le fichier de préférence de calcul qui a été téléchargé normalement sur Internet au moment où vous avez téléchargé les données à calculer. Le but donc étant en fait de permettre de paramétrer cet ordinateur-là séparément des autres et de manière plus fine qu'avec les profils Work, School, Home que l'on voyait tout à l'heure. Donc cela permet en fait d'affiner les réglages en fonction de l'ordinateur en lui-même et de l'utilisation que vous en faites. Donc là on voit que j'accepte toujours qu'il calcule à 100% tout le temps, qu'il utilise la carte graphique, etc. Je peux paramétrer des jours pendant lesquels il va calculer, en fait. Ce qui permet par exemple, si je sais que je ne suis pas là par exemple du mardi au samedi parce que je travaille et que je ne suis pas chez moi, de lui dire du mardi au samedi. Tu fais un calcul très intensif parce que je suis pas là. Par contre, le dimanche et le lundi, puisque je sais que je vais rentrer, rechanger en fait les préférences de calcul pour pouvoir mettre d'autres types de préférences et avoir quelque chose de plus léger pour pouvoir profiter pleinement de la puissance de mon ordinateur. Si tant est que je trouve que le Boinc prenne trop de ressources, puisque je vous l'expliquais tout à l'heure, il passe toujours en dernier dans les règles de priorité de répartition des ressources. L'utilisation du réseau, c'est la même chose. On en revient aux options qu'on avait tout à l'heure, en sachant qu'on peut même mettre des limitations en vitesse d'envoi et en vitesse de téléchargement pour par exemple maintenir un fort débit pour les applications courantes ou les jeux, etc., tout en permettant à Boinc de communiquer sur une faible bande passante. Ça sera un peu plus lent pour lui pour télécharger ou renvoyer des données, mais par rapport au peu de données qui transitent compte tenu de l'ensemble des données qui, elles, sont à calculer, en fait, ça ne pose pas de souci. Donc voilà. Et ensuite, donc l'utilisation du disque dur et de la mémoire, on en revient exactement aux mêmes choses que tout à l'heure aussi, avec la répartition pour lui permettre d'utiliser plus ou moins de place sur les disques durs, plus ou moins de place dans la mémoire vive, et donc d'être plus ou moins envahissant par rapport à votre utilisation de votre machine. Donc voilà. Je vais vous redétailler un petit peu quand même les différents onglets, puisque dans l'onglet projet, donc comme nous le disions, nous avons la possibilité de voir un peu un récapitulatif de l'utilisateur et de son travail. Vous avez aussi la possibilité, donc si vous cliquez sur Pas de nouveau travail, après avoir sélectionné un projet, de permettre à Boinc de finir les calculs en cours sur le projet, mais pas en télécharger de nouveau. Ça peut être intéressant si vous prévoyez par exemple de déménager ou quoi que ce soit, puisqu'on va voir dans l'onglet Tâches qu'il y a des dates limites de renvoi. Si vous suspendez, vous allez mettre en pause l'ensemble du travail du projet pour donner en fait une priorité, on va dire, non permanente à l'un des projets. Si vous cliquez sur Mettre à jour, le projet va automatiquement contacter les serveurs centraux du projet pour pouvoir voir s'il n'y a pas des mises à jour à faire, renvoyer éventuellement les résultats qui sont déjà terminés, qui n'ont pas encore été renvoyés, télécharger du nouveau travail, etc. Ou mettre à jour les préférences de calcul ou les préférences de projet que vous aurez mises à jour tout à l'heure sur Internet. Enfin, donc, recommencer le projet permet de désinstaller et de réinstaller complètement le projet et l'ensemble du travail. Ça peut être intéressant s'il y a eu un petit bug ou quelque chose qui empêche le projet de travailler. Se détacher permet de désinstaller purement et simplement le projet et de le retirer des projets utilisés par Boinc et donc bah, de l'arrêter complètement et de n'utiliser ensuite que les autres projets listés.
les propriétés, comme vous le voyez, permettent d'avoir quelques informations supplémentaires, donc sur l'usage qui est fait, les crédits, comme vous le voyez, les moyennes, etc., les planifications, bref, un peu de toutes sortes d'informations qui vous permettent de un peu mieux comprendre l'utilisation qui est faite par le BOINC de votre ordinateur. Ensuite, la partie site web ici est plus ou moins évoluée, comme vous le voyez, en fonction des projets, et vous donne divers accès à certaines catégories ou sous-catégories du site en fonction de ce qu'ont décidé les responsables du projet. Dans la partie tâches, donc, vous avez l'ensemble des calculs en attente de calcul, enfin l'ensemble des travaux en attente de calcul, avec à chaque fois donc le nom du projet, le type d'application. Là, quand c'est ATI par exemple, on voit que ça va être destiné au calcul sur carte graphique, alors que quand c'est SSE, ça va être destiné au calcul sur processeur. Ensuite, vous avez donc le nom de la work unit, ce qui vous permet de la retrouver ensuite dans vos statistiques sur le site internet pour pouvoir voir un peu ses caractéristiques, etc. Et donc vous voyez que là, on en a une liste assez impressionnante. Cela dépend donc du nombre de jours de calcul que j'ai demandé. Là, moi, j'ai normalement 5 jours de calcul environ, et de la puissance de votre ordinateur, puisque plus votre ordinateur est puissant, plus il aura besoin d'une grande quantité de calcul en réserve pour pouvoir faire le nombre de jours que vous avez demandé. Ensuite, dans écouler ici, on a le temps de calcul qui a déjà été fait et le temps restant estimé avant la fin du calcul. Donc là, il me dit que ça fait 8 minutes 40 qu'il est sur cette work unit là et qu'il lui reste, à son avis, environ 1h10 de travail pour la finaliser. Ici, le calcul en attente, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une unité de calcul qui a été commencée, qui a été mise en attente pour pouvoir en commencer d'autres. Et donc, les calculs en priorité haute ici sont dus au fait que j'ai rejoint le projet Einstein qui est là, qui utilise quasiment la totalité du processeur. Donc ces unités de calcul là, en fait, étant destinées au processeur, le BOINC a décidé de les faire passer en priorité pour ne pas qu'elles soient perdues. Le but étant de finir le calcul, puis ensuite de reprendre le calcul dans les ratios normaux qui ont été définis dans la partie projet. Donc vous voyez que là, ils sont en priorité haute, puisqu'il faut respecter la date limite d'envoi qui est ici. Donc si vous voyez que votre ordinateur est toujours en train de calculer sur quelque chose qui a une date dépassée, nous sommes ici le 10 mai, vous voyez. Si vous voyez qu'il y a des work units qui sont du 7 ou du 8 mai, alors que vous êtes au 10 mai, rien ne sert de les continuer. Il suffit donc de cliquer dessus, de cliquer sur abandonner. Ça va l'arrêter et ça vous évitera de perdre du temps, puisque de toute façon, les calculs que vous aurez effectués, même si vous venez à finaliser la work unit, ne seront pas pris en compte. Donc si ça vous arrive très régulièrement, ça veut sans doute dire que votre ordinateur n'est pas assez puissant pour permettre le calcul sur le projet, le plus simple étant donc de changer de projet pour passer sur des projets un peu moins gourmands en calcul ou laissant plus de temps pour finir chaque work unit. Ou alors simplement aussi de laisser votre ordinateur tourner un peu plus souvent pour qu'il y ait plus de moments où celui-ci va pouvoir calculer. Donc dans transfert, on a déjà vu ce qui se passait. Vous voyez là le téléchargement en cours des diverses unités d'Einstein qui ne sont pas encore téléchargées. Les messages, donc là vous avez tous les messages en rapport avec Einstein depuis que je l'ai mis, mais aussi donc en rapport avec Collatz ou DCNet ou DNetC. Les statistiques donc qui maintenant sont au nombre de 3, puisque j'ai 3 projets qui sont sur cet ordinateur. Et l'espace disque qui est donc légèrement augmenté, et on voit parfaitement donc que c'est Einstein qui occupe la plus grande partie des données, puisqu'il fait à lui seul presque 1 giga de données sur le disque dur, alors que les deux autres programmes prennent à eux seuls, à eux deux, à peine 3 mégas. Donc ça peut être aussi un paramètre à prendre en compte en fonction de la taille de votre disque dur et des données que vous acceptez de stocker en fait en termes de quantité. Vous sélectionnerez certains projets et pas d'autres.